Nous voici à nouveau dans ces moments solennels de l'histoire, point, et dans l'histoire de l'Église, bien sûr. C'est un moment solennel, c'est l'accomplissement d'une prophétie de Jésus par rapport à Pierre. Mais même si les Bibles, elles séparent des blocs, des versets, nous ne devrions pas séparer, en fait, ce dont on a médité les dimanches derniers et ce dont on va méditer aujourd'hui. D'autres évangélistes vont mettre un peu mélanger les moments du jugement de Christ et les moments de réanimement de Pierre, car ces choses-là se passent au même moment. Mais Marc, dans sa particularité, sa manière de structurer son évangile, en voulant nous laisser bien à fond, en fait, dans les impressions qu'il veut provoquer, et de bien assimiler chaque moment qui est en train de se passer, il est en train de décrire d'abord les jugements du Christ, ce qu'on a considéré la semaine dernière, et aussi les réanimements des pierres. Donc il avait juste inséré dans les versets 53 le fait que pendant les jugements de Jésus, Pierre était là-bas présent en train de témoigner et de regarder tout ce qui était en train de se passer. Pierre était la source des marques de son évangile. Et donc, même si Pierre était en train de vivre une vraie bataille spirituelle, une vraie crise, il a bien assimilé les choses qui ont été en train de se passer, au moins les suffisants, au moins les plus éclatants par rapport au jugement de Jésus et par rapport aussi à cette chute tellement triste de la part de Pierre. Donc, il nous faut considérer ces textes à la lumière de ce qu'on a considéré les dimanches derniers, en nous rappelant que nous sommes devant de Pierre. Nous sommes devant un rocher, Jésus, très solide, et une pierre encore très oscillante. Et c'est très intéressant les pourquoi des marques avoir structuré de cette manière pour qu'on puisse comprendre les reniements des pierres et la chute des pierres à la lumière du triomphe de Jésus, la façon solide dont ces deux personnes qui ont traversé des grandes pressions ont pu réagir. Et donc, c'est très intéressant de regarder. Ces choses sont en train de se passer entre minuit, plus ou moins, et 3h du matin. La nuit du jeudi envers les vendredis, Jésus sera crucifié dans l'après-midi du vendredi. Et maintenant, il est encore dans ses tribunaux devant les juges. Et pendant que Jésus était en train d'être jugé, Marc était en train de vivre sa plus grande crise, la plus grande crise de sa foi. Donc, c'est très intéressant de considérer ces moments dramatiques qui nous met devant et qui évoquent et qui nous rappellent les personnages qui ont sauté à nos yeux lorsque Marc, au long du chapitre 14, a évoqué les personnages principaux qui ont joué autour de la crucifixion du Christ. Donc, d'un côté, on ne peut pas oublier les destins et la sorte, ou au moins la façon dont Judas a été présenté. Donc, c'était un grand personnage qui faisait aussi partie du groupe des 12 et qui est laissé par Marc comme quelqu'un décidé dans sa voie de trahison et qui Marc ne parle plus de ce qui se passe avec Judas. On a besoin d'autres évangiles pour voir qu'il finit par se suicider. Mais ici, il va laisser Judas avec une trahison résolue envers Jésus malgré son intimité. Et il va aussi, il a déjà mis beaucoup d'emphase dans les déterminations de Pierre, mais il va laisser aussi Pierre à ces moments et ne va plus les répondre en termes de narrative. Il y aura une mention envers lui, mais Pierre est laissé en pleurant. Ça montre quelque part aussi une repentance de la part de Pierre, mais ce sont deux personnages qui nous viennent à l'esprit lorsqu'on considère comment ça peut se faire que des personnes qui ont vécu si tant de privilèges arrivent à commettre un péché si grave. Donc il faut et il nous faut nous rappeler que même si on connaît la suite de l'histoire de Pierre, la restauration de sa foi, il nous faut reconnaître au départ qu'il s'agit d'un péché très, très grave. C'est un péché comparé par Jésus comme un scandale, quelque chose qui s'approche de l'apostasie. Et qui, si ce n'était pas par la grâce de Dieu, Pierre serait complètement effrondé dans sa foi. Donc c'est très intéressant, la sévérité de ces péchés, à la lumière de l'intimité avec le Christ et les privilèges que ces personnes-là ont vécu.
Mais il nous faut reconnaître aussi non seulement la sévérité des deux péchés, des Pierre et des Judas, mais aussi les contextes de leurs péchés. Donc on voit beaucoup de faiblesses en Pierre, mais on voit aussi une bonne motivation. Elle ne sert jamais à justifier nos péchés. Mais c'est vrai qu'il a la vision et la perspective de la culpabilité, elle change. Donc c'est très intéressant. Les deux péchés sont graves et coupables, mais il y a un péché qui est beaucoup plus abominable que l'autre. On voit dans la description des Judas quelqu'un qui marche de façon résolue au gant personnel, au mépris du Christ, qui a architecté la trahison de Jésus, qui a planifié, qui a prémédité toutes ces choses-là. Et on voit un Pierre qui a pris par surprise, même s'il faisait un peu de confiance en soi-même, ou beaucoup de confiance en soi-même, il voulait rester proche du Christ, il voulait protéger le Christ. Et c'était les circonstances qui l'ont pris par surprise en révélant qu'il n'était pas si capable comme il le pensait de rester fidèle au Christ. Donc il y a des claires différences entre la démarche de Pierre et la démarche de Judas. Et on voit aussi, par les résultats qu'on connaît d'autres évangiles, qu'on voit une vraie repentance en Pierre et qu'on ne voit pas la vraie repentance en Judas. La Bible nous dit que la vraie repentance mène à la vie. Mais les remords qui ne viennent pas de Dieu mènent à la mort. Donc c'est assez intéressant de toucher légèrement à ces questions, mais ça, ce n'est pas le sujet principal, car il y a un autre contraste beaucoup plus important, c'est les contrastes entre Pierre et Jésus lui-même. Et ces contrastes-là, il est travaillé tout au long du chapitre 14, avec tous les efforts de Pierre pour rester fidèle au Christ. C'est étonnant de voir ces parallèles entre la manière dont Jésus, même en étant l'homme parfait, il était en train de veiller, il était en train de prier, il était en train de zéler et de chercher des ressources en Dieu. Toute l'humanité, pour plus parfaite qu'elle soit, la seule, Jésus, on voit clairement la totale dépendance de Dieu. Et donc pendant que Jésus priait et qui était angoissé en avance et qui méditait dans les circonstances et les risques en avance, Pierre dormait. Pierre faisait confiance à soi-même. Et là, on voit vraiment quels étaient les résultats. Comment les deux ont réagi à la pression qui avait beaucoup de choses similaires à ces pressions-là, les risques des morts physiques, mais qui, dans les cas de Christ, étaient beaucoup plus intenses, beaucoup plus profondes. Et tout au long du passage, on va voir clairement, à la lumière de ce qu'on a vu les dimanches derniers, le fait que Jésus, il était complètement résolu, fortifié, car il a reconnu tout au long sa dépendance de la grâce de Dieu, du soutien du Saint-Esprit. Et on voit ici un Pierre qui, malheureusement, va chuter dans un péché très grave à nouveau quand on considère comment un homme si privilégié, Pierre, il a plein de compliments au long des évangiles. Il est courageux, c'est vrai, il est courageux, il veut protéger les Christ, il veut rester avec les Christ. Donc la majorité des péchés de Pierre, quand on voit sa vie, ne sert pas d'excuse pour ceux qui veulent profiter de Pierre pour justifier leur vie plongée dans les péchés. Les péchés de Pierre, pour plus que la racine est la même, l'autoconfiance quelque part, la réputation de soi-même, mais on voit clairement que Pierre, il a été réproché pour vouloir protéger les Christ, rester proche du Christ. Les monts de la Transfiguration faisant trois tentes. Non, Jésus, tu vas pas marcher vers la croix, la souffrance, non pour toi, des sorties son épée. Mais c'est très intéressant, c'est toujours en voulant afficher sa dévotion à Jésus, en voulant protéger Jésus, etc. Donc c'est intéressant, mais quand même un péché énormément grave, car il arrive à renier Jésus avec des profanations, avec des blasphèmes, avec des jurements, comme on va voir dans ces passages. Et donc la grande question pour nous tous, quand on regarde ces passages, c'est comment ça se fait qu'un héros de la foi puisse tomber dans un péché si grave, dans un scandale. Et ça, c'est une bonne question, non seulement pour les chrétiens comme pour les non-chrétiens lorsqu'ils regardent l'Église. Comment ça se fait que ceux qui étaient vus par plusieurs et qui ont amené plusieurs à la foi arrivent à tomber de façon si grave? Et des fois, on est en train de juger ces personnes-là. On est en train
de les regarder et de penser que si c'était nous, on n'allait pas tomber si loin. La réalité, c'est que si on pense comme ça, on est en train de rentrer dans la même démarche des pensées, dans la même logique qui a amené Pierre au péché. Donc c'est intéressant dans ces passages, surtout car nous vivons encore dans une génération qui promeut l'auto-affirmation ou l'affirmation de soi, l'autoconfiance. C'est une génération basée sur la performance. Et c'est très intéressant car la façon dont on encourage les personnes à réussir dans la vie aujourd'hui passe par beaucoup d'affirmations en elles-mêmes, dans ses capacités, dans une pensée positive qui fait confiance à la manière de la personne de surmonter les difficultés, de faire les personnes croire aveuglément qu'elles sont capables d'elles-mêmes de traverser des barrières. Et le pire, c'est que ce type de raisonnement n'est pas qu'encouragé dans la société, qui veut toujours effacer ses faiblesses, qui est encouragé lorsque des patients d'entretien. Bien sûr qu'il faut être modéré là-bas, mais on est toujours encouragé à cacher nos faiblesses. Et juste après, quand on est employé, embauché, toutes ces choses-là sont révélées. Mais c'est assez intéressant de voir que pour plus qu'on fasse de la pensée positive envers nous, envers la vie, on va toujours prendre les rares cas qui c'est la réussite. Ces personnes avaient aussi d'autres potentiels et pas qu'une vision aveugle de soi-même, de ses capacités. Et donc, on va prendre ces cas-là et on va mettre en avance comme un exemple pour nous tous. Et la réalité, c'est que plusieurs basés et mettant leur foi dans ces gurus de l'affirmation de soi, ne vont pas, en traversant les circonstances dures de la vie, ne vont pas réussir. Et seront effrondés dans la dépression. Donc c'est assez intéressant de voir déjà comment le monde est en train de marcher aujourd'hui. Mais c'est assez intéressant de voir aussi comment cela a envahi l'Église. Car c'est lui qui nous fait vraiment confier, faire confiance à la chair, c'est pas Jésus. On va voir qui c'est lui. Mais c'est intéressant de remarquer que même dans l'Église aujourd'hui, on est poussé à exercer une espèce de foi qui est plutôt basée sur la force de la foi, qui est plutôt un synonyme des pensées positives, qui est vraiment une connaissance objective de celui qui est capable de soutenir notre foi. Et comment il est capable de soutenir notre foi. Donc c'est super important pour nous, encore aujourd'hui, de considérer cette réalité. Dans les textes, il n'y a pas de question de considérer la perte du salut en Pierre, car c'était prédit par Jésus qu'il allait ressusciter et restaurer ses brebis. Et on voit aussi par la suite de l'histoire que même s'il a presque vécu un naufrage de sa foi, ses principes de vie que Dieu nous apporte les moments de notre conversion, il ne se perd jamais. Donc si on voulait définir ça avec un terme théologique, on dirait la persévérance des saints. La foi, une foi engendrée, ne se perd jamais. Mais c'est vraiment étonnant, et ce qui nous fait douter de cela, des fois, c'est de voir un homme comme Pierre tombant dans un si grave péché. Donc c'est un puzzle légitime. Comment ça se fait qu'un homme si privilégié, si plein de vertus, a pu tomber de cette manière? Donc la leçon centrale de ces passages, c'est que Jésus n'est pas seulement l'auteur de notre foi, mais il est aussi celui qui soutient notre foi tout au long. Il engendre la foi, il, par sa grâce, préserve ceux qui vont progresser dans un chemin de sainteté, mais c'est lui aussi qui est capable de restaurer la foi de quelqu'un qui tombe de façon très moche dans sa foi. Et ça, c'est super important, ça fait partie de la façon de Dieu de développer certains dans la foi. Il y en a certaines personnes qui ne vont pas être si disposées à croire dans les paroles de Jésus d'une façon facile à assimiler et qui vont devoir traverser par leur insistance à rejeter la parole de Christ, vont devoir passer par des moments, des grains d'humiliation pour apprendre vraiment les niveaux de leur dépendance de la grâce de Jésus, non seulement pour naître de nouveau, mais pour être maintenu dans la foi.
Et donc, c'est très intéressant de considérer comment Dieu, dans sa souveraineté, a utilisé même cette chute des pierres pour les faire grandir et devenir un modèle pour nous tous dans la foi. C'est intéressant car dans sa prédiction, Jésus dit à Pierre aussi, Satan a réclamé par rapport à toi, mais lorsque tu seras converti, non dans le sens de la conversion primaire, mais dans les processus continus des plusieurs conversions qu'on doit vivre dans notre foi, en nous répandant des plusieurs péchés et progresser toujours. Mais lorsque tu te répandrais à nouveau, lorsque tu vas te répentir de ces péchés spécifiques-là, dont je suis en train de faire mention, tu serviras des modèles pour tes frères, pour les disciples. Donc ça faisait partie de l'école de Jésus, pour que Pierre soit un leader encore plus capable de guider les peuples de Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est une doctrine très polémique. Pourquoi elle est polémique? Car il y a une partie des faux chrétiens qui l'idolâtrent d'une façon mauvaise, et il y a une partie des faux chrétiens qui l'abominent d'une façon mauvaise. Ceux qui l'abominent, ce sont ceux qu'on appelle l'essor des pharisiens ou l'essor des légalistes. C'est-à-dire, la notion que Dieu peut faire usage de la chute de quelqu'un pour les faire progresser dans la foi, c'est abominable à ceux qui se basent toujours dans leur orgueil et dans la promotion de leur réputation par leur performance. Ils sont toujours en train de manipuler la loi, réduire l'essence de la loi pour pouvoir l'accomplir. C'est hypocrite du début à la fin. Et donc, ils abominent ce type de nouvelles-là. On ne peut pas parler sur ça. Si on parle sur ça, les personnes vont vouloir tomber dans les péchés. D'un autre côté, il y en a ceux qui vont idolâtrer et qui vont dire, voilà, ça c'est le vrai évangile, c'est truc de sanctification, Jésus a tout payé, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle les libertins, ou les libérales. Ce sont ceux qui veulent profiter de la grâce de Dieu pour se plonger dans les péchés et rester toujours dans les péchés. Et aucun de ces deux-là ne sont pas des vrais chrétiens. Car aucun chrétien ne peut regarder la chute d'un homme de Dieu qu'au travers un cœur rempli de crainte. C'est un terrain solennel pour lui. C'est incroyable lorsqu'on considère un homme de Dieu qui tombe, de ne pas se mettre en question pour les vrais chrétiens, de se dire comment je peux faire pour éviter cela? Donc celui qui pense être début, qu'il fasse attention, qu'il prenne garde pour ne pas tomber. C'est comme ça qu'il réagit les chrétiens. Il regarde cela et dit, il y a de l'espoir. L'évangile est glorieux. Il peut non seulement engendrer la foi, mais il peut même restaurer la foi. C'est l'évangile de la résurrection. C'est l'évangile de la restauration. Même les choses qui sont apparemment mortes peuvent être restaurées par la grâce de Dieu. Donc dans l'évangile, il y a un équilibre qui dépasse notre capacité de manipuler. Il suffit d'assimiler, de dire qu'il y a de l'espace pour cette grâce sauvage de Dieu qui peut soutenir des pôles et qui peut restaurer des pierres. Et donc, comment on va aborder ces textes? Et ça, c'est vraiment les tests assis de la foi, c'est comment on s'approche de vérités comme celle-là. Si je vois ces textes, si ça me donne envie de rester dans les péchés, c'est une évidence majeur, que j'ai jamais compris l'évangile, que je ne suis pas né de nouveau. Et de l'autre côté, si je ne veux pas toucher à ces sujets-là, il y a un grand risque que je sois un légaliste. Mais la réalité du texte, c'est qu'il nous enseigne à éviter les parcours de la chute. Je sais que j'ai risque de tomber, car il y a la chair en moi aussi, comme en Pierre. Je risque de tomber. Mais qu'est-ce que je peux regarder dans les parcours des pierres qui m'enseignent à éviter ces chemins? C'est comme ça que les chrétiens voient la chute d'un grand nombre de dieux. Comment je peux éviter? Mais les textes nous enseignent aussi à connaître les chemins de la restauration. Et donc aujourd'hui, on va considérer quelles sont les caractéristiques d'un chemin qui mène à la chute. Et dans les dimanches prochains, on va se plonger dans cette deuxième question dans ces mêmes textes, quelles sont les caractéristiques d'un chemin qui mène à la restauration?
Et la première vérité, c'est que l'échément qui nous mène à la chute a pour source l'autoconfiance, la confiance en soi, l'autodépendance, si on pourrait dire comme ça. Il y a des vérités claires dans ces textes, il y a des vérités claires dans les contextes, il y a des vérités claires dans d'autres passages qui nous révèlent ces caractères, cette caractéristique-là de Paul à ces moments de sa foi. Donc, dans les textes, les versets 66 et 67 nous montrent les suivants. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui s'échauffait, les regarda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Donc, on voit ici clairement comment Pierre est en train de s'exposer au danger. Comment Pierre, qui avait pris son épée, coupé l'oreille de Malchon, réproché par Jésus, et il s'enfuit, il a abandonné Jésus. Maintenant, il doit être dans une crise légitime, mais encore en faisant confiance en soi, il revient, il rentre dans un lieu complètement risqué pour lui, car s'ils sont en train de prendre Jésus pour lui crucifier, c'est clair que ses disciples sont sous danger. Et si on se rappelle très bien, lorsque Jésus a été arrêté, Jésus a dit, si c'est moi qui vous cherchez, laissez-le partir. Et Jésus avait déjà protégé aussi par ses propres paroles en disant, les brebis, les bergers seront frappés, les brebis seront dispersés, mais je reviendrai. Donc Jésus, dans sa grâce, avait permis que ses disciples s'éloignent de lui pour ne pas risquer. Et on voit en Pierre que pour vouloir maintenir une vaine intégrité, ah, mais les motivations étaient merveilleuses, mais complètement vaines. Car nous, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et Pierre, il s'expose au risque en faisant confiance à soi-même, et il se met même dans une position assez bête, qui révèle aussi beaucoup d'autoconfiance. Il va s'échauffer auprès de feu. Il va être allumé, il va avoir son visage en évidence pour se mettre dans cette position. Et tous ces courages-là commencent à tomber par terre, car il suffit d'une servante posée en question, qui les prend des surprises pour qu'il voit comment il est troublé dans sa foi. Donc on se rappelle très bien, non seulement de cette manière de Pierre de revenir au risque, mais aussi les promesses qu'il a faites. Même si tous t'abandonnent, moi, même s'il faut mourir, je resterai avec toi. Donc il y a la parole de Dieu, la prédiction de Jésus, la connaissance parfaite de Christ, et Pierre qui ne veut pas écouter la parole de Dieu et qui veut faire plus de confiance dans son avis à propos de soi-même que la vie biblique ou la vie de Dieu par rapport à soi. Et donc, par là, on voit aussi quelle est la source des puissances de Pierre. Car jusqu'ici, c'était facile, disons, reconnaissons, de manifester beaucoup de courage et en ayant toujours celui qui a fait les silences de la mer, de celui qui en disant « Mais voici » et tout se tombe par terre, c'est facile, à côté de Christ, d'avoir l'impression que toute cette puissance que Dieu utilise pour faire usage de nous, en fait, comme ses instruments, délégués avec les 70 pour expulser des démons, pour prêcher l'évangile, pour opérer des miracles, c'est Pierre. Donc c'est facile d'avoir l'impression, lorsque Dieu entend de nous utiliser, que notre foi est forte. Par sa grâce, Dieu fait usage de certains. Mais le problème, c'est que lorsque Dieu commence à faire usage de nous, on a l'impression que la puissance est avec moi. Et donc, Pierre avait une source de puissance basée sur, je dirais, la force de sa foi. L'impression, c'était que sa foi était robuste. C'était un produit de soi-même. Ça dépendait de la force de sa foi et non de l'objet de sa foi. Et donc, avec cette confiance en soi-même, en n'est pas interprétant bien la façon dont Dieu l'utilisait, Pierre va s'exposer chaque fois plus à la réalité à propos de soi-même et la réalité à propos de sa foi. Il essaye aussi, de sa propre manière, à chercher la délivrance. Le texte nous dit, dans les versets 68, il les nia en disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans les vestibules. Donc il sort de ces moments allumés, de cette proximité avec le feu, la cour antérieure,
C'était une cour intérieure, c'était comme des galeries autour d'une cour intérieure. Jésus était peut-être dans une galerie en train d'être judé, accessible à la vue des pierres, mais il y avait un public qui s'est rassemblé dans cette cour intérieure. Et là, maintenant, il marche vers les vestibules qui étaient possiblement, probablement, les chemins des sorties. Mais il était rempli des gens, des personnes devraient être en train encore de rentrer, d'affluer. Donc, Pierre cherche la sortie, mais là, il est empêché encore. Donc, de nous-mêmes, nous pouvons, en faisant confiance à nous, nous exposer à beaucoup de risques, à nous mettre dans des tentations. Mais on ne sait jamais si on aura les moyens d'échapper. Si la tentation nous surprend, Jésus, la Bible est assez intéressante, Dieu ne nous laisse pas des tentations qu'on ne soit pas capable d'échapper. Et ça, c'est complètement différent de sortir de nous-mêmes et chercher à nous mettre dans des positions de tentation. Et même là, par sa grâce, si nous résistons, Dieu nous délivre. Mais au lieu de s'approcher de Jésus, Pierre essaye de s'enfuir de cette situation par ses propres efforts. Ça, c'est assez intéressant. C'est l'impression que tous les yeux sont sur Pierre à ce moment. Et cet homme-là, qui est très préoccupé par rapport à la performance, il commence à mentir, il commence à vouloir s'en sortir de soi-même à sa manière. Mais il n'arrive pas. Il essaye de prendre toutes les sorties possibles et chaque fois, il est plus troublé. Et progressivement, il y a la servante d'abord, il y a la servante et d'autres personnes dans les vestibules et ça finit avec l'ensemble des personnes qui étaient dans cette cour en train d'accuser Pierre. Donc il est aux yeux de tous. Donc c'est à nous de prendre conscience de notre misère, de prendre conscience de nos faiblesses, de ne pas nous mettre dans des circonstances qu'on ne sait pas si on aura la possibilité de s'en sortir. L'instruction biblique, c'est toujours que l'autoconfiance nous mène à la ruine. Proverbe 16, verset 17, nous dit le suivant: l'échément des hommes droits, c'est d'éviter les mal, c'est d'éviter la tentation. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Il est très conscient de quel chemin il va traverser. Il va choisir le chemin qui va ramener les minimums des tentations possibles dans sa vie. Il organise son jour comme ça, sa routine, sa semaine. Qu'est-ce que je dois éviter pour ne pas m'exposer à la tentation? Chaque minute. Verset 18 dit le suivant: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc à la source, c'est l'autoconfiance et toute cette malcompréhension de Pierre à propos de la force de sa foi. Nous avons devant nous, et c'est très intéressant, dans les cas de Pierre et dans les cas de Christ, c'est comme l'illustration d'un théologien que j'ai lu cette semaine, je ne me rappelle pas qui c'est, mais qui nous présente comme si c'était deux ponts. La force de la foi, on dirait comme ça, l'autoconfiance dans ma façon de vivre l'évangile. Et donc il dit qu'une personne peut choisir un pont très faible et avoir toute la confiance qu'il va réussir à la traverser. Et une autre personne peut avoir une foi très faible dans un pont très fort, très solide. Peu importe les tremblements de celui qui traverse les ponts solides, il arrivera de l'autre côté, en sécurité. Et pour plus confiant que soit quelqu'un dans ces ponts qui est faible, elle va s'effondrer, il tombera. Donc la leçon, c'est celle-ci. L'autoconfiance, c'est lorsque je regarde à la taille de ma foi, la beauté de ma vie chrétienne, comment je suis capable de vivre une vie plus belle que les autres. Et là, je suis en train de marcher dans les ponts faibles. Mais quand je regarde Jésus comme le seul soutien de ma foi, pour plus que je puisse hésiter à voir la manière dont il est en train de mener les choses, je pense que je suis dans des circonstances difficiles à cause de lui et que je ne veux pas m'en sortir. Mais si je fais confiance à lui et pas à moi, je traverserai en sécurité. Donc, au lieu de faire confiance en soi, Pierre devrait faire confiance en Jésus. Ensuite, les chemins qui mènent à la chute a aussi à sa source l'éloignement du Christ.
Donc c'est presque synonyme. L'autoconfiance, c'est déjà un éloignement de Christ. Et c'est très intéressant car dans les textes, on voit clairement que la première chose qui mène Pierre à s'exposer au risque, à la tentation, c'est la confiance en soi. Mais dans ses parcours, il est tout au long du parcours en train de s'éloigner de Jésus. Donc c'est très intéressant. Verset 66 nous a dit que pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Ça veut dire que Pierre était en bas dans la cour, mais Pierre avait déjà abandonné Jésus. Donc il y a eu un abandon physique de Jésus lorsque Jésus a été arrêté. Mais il y a symboliquement ici une espèce de distance entre Pierre et Jésus. À nouveau, Pierre n'était pas là dans une dépendance de Christ. Il voulait voir l'essor de Christ qu'il voulait éviter au maximum. Il a toujours voulu empêcher Jésus de prendre la route de la mort. Et c'est très intéressant de regarder ici que Pierre, il reste là en train de vouloir rendre son allégeance continue envers Jésus par ses efforts, tout en gardant une distance de Jésus. Il garde aussi une manière progressive de se dissocier de Jésus. En voulant vivre la vie chrétienne par sa force personnelle, il va progressivement en train de faire des déclarations qui vont les disassocier de Jésus. Il y a un éloignement de Pierre par ses reniements progressifs, en voulant se présenter publiquement comme quelqu'un qui n'est pas attaché à Christ, en voulant cacher son association à Jésus, sa réputation à celle du Christ. Et c'est intéressant, car toutes ces choses-là contribuent à nous montrer qu'il n'était pas en train de vivre une dépendance totale de Jésus. John MacArthur va suggérer que Pierre serait infiniment plus sécurisé en étant à côté de Jésus dans ses tribunaux qu'en étant dans cette cour où il était. Rien que cette distance-là, elle parle beaucoup. Il n'est pas arrivé là par les voies de Jésus, par la compagnie de Jésus, ni sous l'instruction de Jésus. Il est arrivé par soi-même. Et ça, c'est super important. Cette disassociation, elle parle aussi de la prétention de Pierre de pouvoir gérer les choses à sa manière, de pouvoir garder quelque part sa vie et protéger sa vie. Cette disassociation de Jésus, c'est une manière stratégique, cette manière de protéger sa réputation devant les yeux qui maintenant sont sur lui. Il n'est plus sous les yeux de Jésus. Maintenant, il est sous les yeux de ses accusateurs. Et là, il change de comportement. Ça veut dire qu'il y a cette pression, il y a cette menace que nous la connaissons tous dans les sphères publiques. Si l'égard des personnes envers nous, en nous voyant comme des chrétiens, peut nous apporter des dommages pour la profession, pour garder les bonnes relations, pour garder l'espèce des politiquement corrects qu'on parle aujourd'hui, on va cacher notre identité, on va se disassocier de Jésus. C'est très intéressant, John Bunyan, dans son autobiographie, il parle du moment où il a été arrêté à cause de sa foi. Et l'une des plus grandes tentations qu'il a vécues, c'était la préoccupation. Il n'avait pas de l'argent, c'était une famille assez simple. Il avait une fille qui était aveugle. Sa plus grande préoccupation, c'est comment elles auraient les soutiens, sa fille et son épouse, s'il était convaincu qu'il serait mort, s'il est mort dans la prison. Et c'est là où il est tenté à nier et à se rétracter de sa foi. Mais la chose qui l'a sauvé de cette mentalité, ça c'est incroyable, c'est qu'il a pensé, si j'ai renié Jésus pour vouloir protéger, pourvoir pour ma famille, c'est une prétention incroyable de croire que moi je suis plus capable de prendre soin de ma famille, de préserver leur vie, que Dieu lui-même. Et aujourd'hui, on a pas mal de chrétiens qui vont, pour pouvoir préserver leur emploi, cacher leur association envers Jésus. C'est incroyable. Et là, en fait, on voit Pierre qui veut préserver son intégrité physique.
et qui est en train de vouloir, à sa manière, s'éloigner des Christ pour se préserver. Donc il s'éloigne par ses paroles, ou il s'éloigne des paroles de Jésus, car Jésus avait dit déjà qu'il allait tomber, qu'il ne devrait pas s'exposer, qu'il devrait veiller. Donc Pierre, il est tout au long en train de s'éloigner de Jésus. Ça ne sert à rien d'être symboliquement proche du Christ dans une église si je suis en train constamment de renoncer et rejeter sa parole. Ça ne peut pas me fortifier automatiquement de participer de la Sainte Cène ou d'être dans un culte public. Si je ne suis pas en train de me nourrir de la parole, de l'instruction de Jésus, c'était le cas de Pierre, complètement rempli de soi, il n'y avait plus rien qui rentrait. Complètement rempli de ses convictions, de sa manière de vivre, Pierre n'est pas seulement en train de s'éloigner des paroles de Jésus et de la communion avec Jésus par la prière, en dormant trois fois, lorsque Jésus l'invite à prier, il est en train d'abandonner progressivement Jésus. Chaque fois, il prie moins, chaque fois, il donne moins d'importance aux paroles de Jésus, chaque fois, il mène plus la vie à sa manière. Donc, il est en train aussi de s'éloigner du chemin de Jésus. Il est en train de s'éloigner à pas large de Jésus. Et qu'est-ce qu'on veut dire, en fait, quand il est en train de s'éloigner du chemin de Jésus? C'est le niveau de son autoconfiance, de faire une lecture des circonstances. Il était le seul capable de reprocher Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça dans les pages des Écritures. Mais des fois, Pierre, il considérait que sa manière de mener les choses pourrait être meilleure que la manière de Jésus de mener les choses. Les voici Jésus, sous une pression infinie, non seulement d'un jugement humain, mais le jugement de la croix qui viendrait bientôt. Et voici la réponse de Jésus, la vérité. Je les suis. Et vous verrez les fils des dieux venant du ciel avec les nuées pour les jugements finaux. Donc on voit Jésus qui est sous toute la pression, avec toute cette dépendance des dieux par la prière, et qui dit une vérité sous la plus grande pression. Et on voit sous une pression encore infiniment moins grande, un Pierre qui commence à dire des mensonges à cause de ces pressions. C'est comme si Pierre, par ses mensonges, cherchait à gérer les choses à sa manière. On n'est pas faisant confiance au chemin de Dieu de nous délivrer, de nous promouvoir dans la foi. Donc nous aussi, nous suivons ces chemins des chutes en nous éloignant du Christ toutes les fois que nous nous éloignons de la présence de Christ par le Saint-Esprit. Que nous ne faisons pas usage des moyens de grâce. Que nous diminuons notre manière dont on cherche la lecture biblique, dont on cherche par la prière, la façon dont on exerce les disciplines spirituelles. Lorsque nous nous éloignons de l'Église, Pierre est toute seule voulant porter l'Église dans son dos. C'est très intéressant ça. Le chemin qui mène à la chute, c'est celui de l'éloignement de Jésus. Tout a commencé avec un petit peu moins d'importance que je donne à la parole de Dieu. Une fois, j'ai entendu un témoignage d'un grand pasteur que j'admirais beaucoup, un homme de Dieu, qui est tombé et qui a fini par se divorcer. Et lorsqu'il a raconté la manière dont il a trouvé pour expliquer sa chute, il a dit, après ça, tout était une grande confusion. Mais la chose que je remarque comme la plus grande cause de ma chute, c'est lorsque j'ai laissé tomber mes dévotionnels, mes moments avec Dieu, des lectures bibliques et prières. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le chemin qui mène à la chute est aussi un chemin catalysé par Satan. Satan, il est présent tout au long. C'est aussi une des figures les plus remarquables et les plus mises en emphase par Marc au long du chapitre 14 et dans les autres évangiles aussi. Il est là,
sans cesse en train de vouloir mener Jésus à la croix, quelque part pour supprimer Jésus, ou au moins, comme on a considéré déjà dans un mystère qu'on ne peut pas avoir la réponse, mais de vouloir que Jésus soit présenté dans les moments de la Pâque, justement pour qu'il ne puisse pas payer pour l'expiation de nos péchés. Mais le fait, c'est que Satan, il est engagé dans toutes ces choses-là pour pouvoir supprimer l'efficacité de l'Évangile et de l'Église. C'est une bataille sans cesse qu'on a contre Satan. Dans ces passages, clairement, on voit que c'est déjà un accomplissement d'une prédiction de Jésus qu'on va retrouver en Luc. Lorsque Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froments. Pierre remplit de soi en disant, je serai fidèle jusqu'à la mort. Et Jésus en disant, Pierre, tu es en train de mépriser une force infiniment plus puissante que la tienne. Satan lui-même est venu te réclamer comme il a fait avec Job dans l'Ancien Testament. Pour cribler comme les froments. Vraiment pour gâcher la vie de Pierre, pour soumettre Pierre sous la plus grande pression de sa foi, pour supprimer sa foi. Ça, c'est le plus grand intérêt de Satan envers les chrétiens. De gâcher notre témoignage pour qu'on soit plus capable de couper la gorge de nos sermons, de nos prédications. Car aucune profession, aucune communication ne dépend si tant de la façon dont on vit qu'est la prédication de l'Évangile, la proclamation de l'Évangile. L'association morale à l'utilité qu'on a lorsque quelqu'un tombe dans un grave péché et qu'il ne vit pas à l'auteur de ce qu'il professe, on perd la voix. Personne ne donne de crédit. Même un président peut tomber dans un adultère et continuer à gouverner une nation. Mais les chrétiens, les personnes n'écoutent pas, n'écoutent plus. Donc c'est grave. À moins qu'une grande restauration ait lieu, et ça prend du temps pour regagner la confiance. Mais c'est très intéressant de remarquer ici que c'est pour ça que le but de Satan, c'est de nous faire tomber. Pour enlever la puissance de la prédication de l'Évangile. La puissance s'affiche dans la manière dont on vit. Et on explique cette réalité, cette puissance avec nos paroles. C'est à cause de la croix. C'est quand Jésus avait vécu la vie parfaite, est mort à ma place. Et à partir de là, j'ai une nouvelle source de vie, une nouvelle puissance. Je suis ressuscité avec lui. Et c'est pour ça, et pas à cause de mes crédits, que j'ai vu cette vie plus belle. Mais elle est où cette vie plus belle? Elle est où l'efficacité de l'Évangile dans ta vie? Vous êtes sel de la terre et lumière du monde. Ça veut dire qu'il faut déjà qu'on commence à vivre une vie qui a des goûts, de la saveur, qui est remarquée par les personnes, car on est en train, rien que par notre présence et la transformation de notre vie, on est en train de freiner les mal dans la société. On est en train de donner de l'espoir, d'un goût de vie, car on vit différemment. Et c'est à partir de là que les personnes vont se demander, mais quelles sont les raisons? Et là, on apporte la lumière du monde, la connaissance de la vérité. Et donc Satan, il est très occupé de cacher cette lumière. Et il est tout actif dans ces passages aussi. On voit clairement la manière dont il est en train de surprendre Pierre par un piège. Car c'est lui qui va prendre Pierre dans un moment où il pense qu'il ne sera pas surpris. Et c'est pour ça qu'il, par cette surprise, peut-être s'il a pu méditer, je ne sais pas. Mais la réalité, c'est que cette femme va intervenir dans un moment où il ne s'attend pas. Et les circonstances, elles ne forcent jamais. Les circonstances ne forcent jamais les péchés ou les résultats. Elles sont juste une occasion appropriée pour révéler les vrais états de notre foi et de notre cœur. Et c'est ça qui est en train de se passer ici. Satan est en train de faire usage des. Et ces pièges, de cette surprise, pour que Pierre soit complètement déçu de soi-même. Donc il y a cet aspect surprenant, un piège. Il y a aussi l'aspect du caractère accusateur de Satan, qui va gouverner les personnes, car la Bible le dit clairement. Soit on est gouverné par la grâce de Dieu, si on est dans les royaumes de Dieu, dans les royaumes des cieux, soit on est gouverné par Satan. Et ses démons, on est sujet
à ses influences. Et donc c'est intéressant, les impies gouvernés par Satan en jouant pour mener Pierre à la chute. Et il est engagé dans l'ensemble des circonstances qu'on est en train de voir. La vie chrétienne, elle est une bataille constante. Satan est sans cesse, et c'est pour ça qu'on ne doit jamais nous éloigner de Christ. De mépriser une force beaucoup plus forte que la nôtre, qui joue contre nous, c'est aussi un signe d'autoconfiance. Donc c'est en considérant la bataille spirituelle qu'on ne doit jamais nous éloigner de Christ. C'est Satan qui a réclamé pour cribler Pierre, c'est Satan qui a plein de stratégies pour nous faire tomber, c'est Satan qui va toujours encourager, c'est Satan qui va toujours encourager la confiance de notre témoignage. Je pense que c'est Spurgeon qui disait, quand il sortait, finissait de prêcher, quelqu'un venait vers lui et disait, « Ah, t'as prêché super bien. » Et il disait à la personne, « Je laissais, Satan m'a dit la même chose il y a quelques secondes. » Celui qui nous gonfle, ce n'est pas Jésus. Je ne me glorie en rien qu'en Christ, l'apôtre Paul disait. Donc le plus important, c'est de voir clairement que c'est lui qui veut qu'on ait une vision très gonflée de nous-mêmes, c'est Satan. C'est lui qui nous complimente le plus dans la foi de nous-mêmes. Et c'est pour ça que les personnes qui veulent se mettre en évidence, les personnes qui sentent la substance de l'évangile veulent encourager les personnes d'elles-mêmes. De beaucoup vivre la foi chrétienne sur la base des témoignages, des personnes faibles. C'est risqué, c'est bien, il y a sa place, mais il faut qu'on voit clairement la substance et les crédits de l'évangile et non de la force de la foi de la personne. Et c'est Satan aussi qui potentialise et profite de notre éloignement de Jésus. C'est lui qui va nous dire, t'as déjà assez prié. Non, 10 minutes, c'est suffit pour la lecture aujourd'hui. C'est lui qui va dire, mais regarde, tu as tellement de choses importantes à faire. Pourquoi tu es encore en train de lire la Bible? Pourquoi tu ne sors pas pour partager l'évangile aux personnes qui sont à l'extérieur? Il faut le faire. Mais une fois qu'on soit bien rempli de l'évangile, bien rempli du Saint-Esprit, on aura toujours les meilleures excuses données par Satan lui-même pour nous éloigner de Christ. Ah non, c'est froid aujourd'hui. Tu vas à l'église avec ces froids-là? Regarde combien de heures ça prend pour y arriver. Ces encouragements ne viennent pas du Saint-Esprit, je vous assure. Et la dernière vérité, c'est que les chemins qui mènent à la chute est celui d'une destruction progressive. Donc on a vu déjà un risque progressif envers lequel Pierre s'est exposé. Il y avait une bataille légitime en Pierre, de vouloir être fidèle à Christ, en même temps qu'il est très fier de soi-même. Et aussi les risques des morts qui les faisaient des fois essayer de s'en sortir. Mais ils venaient de couper l'oreille de Malcom. Et il était là, devant les mêmes personnes qui l'ont contemplé. Donc ça commence avec l'accusation de la fille, l'accusation d'autres personnes. Et d'autres évangiles nous montrent que même en relative, des relatives de Malcom étaient là en train de reconnaître Pierre. Et les personnes impies, avec des mauvaises motivations, en train de dire des vérités par rapport à lui. Et lui, non seulement en train de s'exposer progressivement à la mort, mais en train de détruire progressivement sa réputation ou son témoignage. Et c'est très intéressant. C'est lui qui voulait de soi-même promouvoir son témoignage devant les hommes, et même devant Dieu, et voulant de soi-même se présenter comme les mieux des chrétiens. Et c'est lui-même qui va tomber de façon très profonde et progressive. Donc il risque sa foi, il risque sa vie, il risque son témoignage. Il ne trouve plus des moyens d'échapper en regardant dans ses ressources. Il est épuisé dans ses ressources personnelles pour s'en sortir. Et en laissant tomber toutes ses stratégies humaines,
Je pense aux stratégies des pères. Il a demandé à Jean d'aller vers la porte, car Jean était connu des personnes, pour que la porte puisse être ouverte. Donc il a eu cette stratégie, mais il avait froid, donc il s'approche du feu, en étant sûr qu'il ne serait pas attrapé. Et j'imagine toutes les ressources là, non, mais si quelqu'un me menace ici, je vais sortir par là. Et on est toujours en train de se dire, lorsqu'on est en train de s'approcher de la tentation, on est toujours en train de se dire, non, je peux aller juste 10 mètres de plus. Et je verrai cette fenêtre et je vais sortir. Encore 10 secondes. Et j'arrête de regarder ça. Et là, il est épuisé dans ses ressources pour sortir de cette condition. Et il ne se rend même pas compte qu'à ce chemin de destruction progressive, le péché le met toujours dans des circonstances qui nous détruisent, que ce soit la destruction de notre foi ou la destruction du corps. Mais la réalité, c'est que le péché est toujours destructeur. Mais il est aussi quelque chose qui cautérise progressivement, il détruit la conscience. Ça, c'est assez intéressant. Il a dû peut-être commencer à rationaliser en disant, non, non, mais ces mensonges-là vont juste préserver ma vie et je suis important. Jésus a dit, je suis le porte-parole des disciples. Donc même si j'ai dit ces mensonges-là, c'est pour me préserver la vie, pour pouvoir continuer le ministère après. Et là, il va un peu plus long et dit, non, peut-être je vais juste mentir pour préserver cette proximité au Christ. Ok, je suis en train de mentir, mais au moins je suis là et les autres ont abandonné complètement Jésus. Je suis en train de me mélanger avec les péchés, avec ces copains-là, mais au moins je suis au milieu d'eux. Donc il était en train de cacher son identité, mais c'était plutôt pour créer des liens. Et ce sont des choses qu'on se dit, et on se donne la permission d'aller chaque fois plus loin dans les péchés, à point que les stimulations, ou les stimules, ça se dit en français, les stimules que le Saint-Esprit utilisait de façon très sensible, et qui avant étaient suffisants pour nous apporter la repentance, pour nous apporter la correction, ne servent plus. Il n'y a plus de force dans la conscience pour nous reprocher. Même la parole n'a plus de force. La parole de Jésus lui-même n'a plus de force. Et on se permet, c'est toujours progressif, les chemins de la destruction, la cautérisation de la conscience. Les plus on avance, les plus on se permet de pécher, les moins sensibles on est à la repentance. Et c'est pour ça que les puritains, ils étaient terrifiés avec cette possibilité qu'ils appelaient la nuit obscure de l'âme. Les plus grandes peurs que les puritains avaient, c'était d'avoir commis un péché avec tellement de récidivité, d'arriver au point d'avoir sa conscience cautérisée et de ne plus trouver l'espace pour cette repentance qui vient des dieux. La repentance, c'est un don de Dieu. On ne sait jamais quand est-ce qu'on aura à nouveau une opportunité. Ou combien de temps ça pourrait prendre de nous cautériser, de nous éloigner comme les fils prodiges jusqu'au jour où on va tomber sur soi à nouveau et revenir. C'est très intéressant car ça commence à cautériser et Pierre, il va aller chaque fois plus loin dans cette impiété progressive. Avec la conscience cautérisée, on se permet chaque jour d'être plus promiscu, d'être plus dépravé, d'être plus méchant, de raconter un mensonge encore plus grand. L'impiété, elle est progressive. La troisième liaison, il s'est mis à jurer en lançant des malédictions sur soi-même. Celui qui jurait par sa vie n'est pas régner le Christ, c'est celui qui est en train de jurer n'est pas connaître le Christ. Et de dire des déclarations comme celle-ci, que Dieu me punisse ou que les malédictions de Dieu tombent sur moi si je connais cet homme. N'a pas seulement caché son identité, il n'a pas seulement menti avec force, il a même rajouté des jurements et il a lancé des malédictions sur soi pour se détacher du Christ.
Et c'est clair que cela va lancer Pierre dans une culpabilisation progressive. C'est la seule chose, quelque part, qui va pouvoir rompre la cautérisation de la conscience. C'est lorsqu'on tombe dans un péché qui, même nous, on n'arrive pas à croire qu'on avait pu commettre ces choses-là. Vous voyez, il y a une progression. Mais il y a une limite aussi. Et la limite, c'est des fois quand on fait quelque chose qu'on dit, peut-être même les diables, à ma place, ne feraient pas les mêmes. C'est quelque chose de si abominable, non seulement par ça, par la récidivité des choses, mais par la progression. Et il est surpris, car la première fois, le coq a chanté. Mais ce n'était pas suffisant pour qu'il se rappelle de toutes les choses. Mais à partir du moment où il commet un péché si grave comme celui-ci, j'imagine que les mots étaient en train de sortir de sa bouche, il était comme ça en train de vouloir la reprendre. Il est tombé désespéré à cause de cette profession, de cette déclaration. Et la culpabilisation peut apporter cet aspect de désespoir. On ne sait jamais, en fait. On ne sait jamais. Dieu peut restaurer. Mais on ne sait jamais combien de temps ça peut prendre pour la restauration. Ça, c'est un problème à nous, de combien on va croire dans la possibilité d'être restauré avec Dieu. Mais ça va prendre du temps. Et la réalité, c'est que Pierre, ici, à partir du moment où il tombe dans les sommets de son péché, et ça qui c'est glorieux dans ces passages, la grâce de Dieu, même si Satan a fait tous ses efforts pour supprimer la foi de Pierre, et Satan n'a jamais relâché, il est toujours en train de lutter contre notre foi, il suffit les chants d'un coq utilisé par Dieu dans sa grâce pour triompher contre toute cette puissance de notre chair, de l'autoconfiance et de Satan. Donc c'est énorme de regarder comment Dieu fait usage d'un coq pour prendre Pierre et le faire retomber sur soi, revenir au raisonnement et de rappeler à la mémoire ce que Jésus l'avait enseigné. C'est intéressant car il y a une note d'espoir ici dont on va se plonger les dimanches prochains. Mais c'est très intéressant de remarquer que même ici, on voit une intervention gracieuse de la part de Dieu en faisant usage des circonstances. On va voir la richesse de tout cela, je ne veux pas avancer, mais c'est intéressant de remarquer comment à ce moment, les coqs chantent et Jésus regarde Pierre. Jésus se tourne de son jugement, il oublie toute cette souffrance à la place de Pierre, à la place de nos péchés, de nos reniements. Tout cela est rajouté à la souffrance de Christ. Mais avec son visage craché, avec son visage battu, avec les bleus partout dans sa face, il regarde Pierre. Et ça, c'est la différence entre la repentance qui vient de Dieu et la repentance qui est stimulée par Satan. Satan va accuser en disant, « Vois, tu es un hypocrite. Mets fin à ta vie. » Mais la repentance de Dieu vient toujours accompagnée de l'espoir. Et la mémoire de Pierre, bien sûr, c'était la mémoire du fait qu'il allait tomber. Il a appris la leçon par rapport à sa chair. Mais la mémoire de Pierre, sûrement comme c'est enregistré pour nous par Marc, elle comprend aussi la promesse de la résurrection du Christ, de l'espoir. Jésus était dans ses jugements en train d'apporter sur soi par cette vie parfaite qu'il a vécue. Et donc personne n'avait rien dans la loi pour accuser Jésus, car il était en train de vivre parfaitement la loi à notre place. Mais il était en train d'être condamné à cause de tous nos péchés, y compris un péché comme celui-ci, d'une personne si privilégiée. Au poids de nos péchés, s'était rajouté le poids du reniement de Pierre. Mais c'est bien de voir comment Pierre a pu voir, moi j'ai craqué dans ma foi, moi j'ai régné sous la pression. Mais gloire à Dieu, tu as pu dire la vérité à propos de toi-même et tu continues à marcher vers la croix. Donc, le texte finit avec cette note d'espoir qu'il nous faut garder, cette vérité incroyable. Dieu peut permettre que nous tombions dans des graves péchés pour que nous apprenions notre totale dépendance du Christ tout au long de notre foi. Que par cette méditation, on puisse éviter les chemins de la chute et qu'on puisse être encouragé par les soutiens que Dieu peut apporter. Amen. Levons-nous pour prier.